Je vais fermer la porte.
Bien, il est 14h31. Je vous propose de débuter cette webconférence ensemble. Bienvenue. Merci à tous et aux contributeurs évidemment de l'animation, direct et indirect que je vais citer tout à l'heure. Pour commencer, on se familiarise un petit peu avec l'outil Livestorm de webconférence. Vous avez sur votre droite une zone de chat qui va vous permettre de régler des problèmes techniques en particulier, puisque je vais vous expliquer qu'il y a du monde en back-office avec moi et avec Fabien et Isadora. Ensuite, vous avez une partie questions sur votre droite qui est là plutôt pour que vous puissiez vous exprimer si vous avez des interrogations. Donc, on a plein de choses à partager ensemble, y compris des temps d'échange qu'on essaiera de mettre le plus en avant possible. Et puis, vous avez également une zone de sondage sur laquelle on vous demandera de vous positionner à un moment donné dans cette animation. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de cette webconférence, évidemment, elle n'était pas en format distanciel initialement. On avait prévu de vous rassembler dans une salle et puis d'organiser un débat mouvant où on vous aurait fait bouger au gré des idées qu'on vous aurait soumises. La crise sanitaire ne nous a pas permis de maintenir ce format-là, mais malgré tout, on est très content d'accueillir des participants qui vont nous accompagner sur cette démarche-là, à savoir un certain nombre de partenaires, la compagnie Quiproquo, que je citerai tout à l'heure en particulier. C'est notre première webconférence sur Livestorm, donc je vous remercie de votre indulgence et puis n'hésitez pas à vous signaler si vous avez des difficultés de connexion. Vous aurez accès au replay et à la présentation après la fin de ce temps d'échange. Durée maximum prévue 1h30. Peut-être pour commencer, je vous explique qui nous sommes, le réseau ANACT-ARACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et les agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail. Ce sont des structures qui sont des émanations du ministère du Travail, avec une vocation plutôt de conseil et d'expérimentation auprès des entreprises du territoire, et non pas une dimension de contrôle comme l'inspection du travail ou la CARSAT. Et l'idée, eh bien, c'est de faire en sorte que les conditions de travail, notamment leur bonne organisation et les bonnes relations qui les déterminent, soient prises en charge en tout point du territoire français. Donc, on a 16 agences, dont une qui, bien sûr, se situe en Nouvelle-Aquitaine, à laquelle j'appartiens. Et puis, on vous met à disposition des appuis pour piloter vos démarches, des méthodes et des outils qu'on a déjà expérimentés auparavant dans des actions plus pilotes. Et on a des thématiques de prédilection, que sont l'organisation du travail, du management, la relation professionnelle, notamment. Dans le cadre de la semaine pour la qualité du travail qui se déroule actuellement. Nous organisons tous les ans un certain nombre de manifestations. Cette année, vous l'avez compris, nous avons tourné les thèmes autour des premières leçons de la crise. L'idée, c'est de pouvoir faire un peu un retour d'expérience sur ce que nous avons déjà pu constater sur la première période de cette crise sanitaire, notamment autour des modalités de reprise qu'ont pu mobiliser les entreprises, des coopérations qui ont pu être développées de manière inédite, et puis de trouver les moyens de faire un petit peu de résilience dans nos entreprises après avoir vécu un certain nombre d'épreuves. Donc, vous trouverez des podcasts, des portraits, des webinaires, à la fois sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, mais sur la France entière également. Dans les partenaires qui nous accompagnent sur ces webinaires, j'ai le plaisir d'accueillir donc Fabien et Isadora, qui sont tous les deux comédiens à la compagnie Quiproquo. Je vous laisse vous présenter peut-être, si vous le souhaitez, de quelques instants. Ben moi, c'est Fabien Castel, comédien à la compagnie Quiproquo Théâtre. Et on vous accompagne sur ce webinaire avec Isadora, qui, je crois, a des problèmes de bande passante, mais qu'on va régler d'ici peu. Voilà. Je crois que ça va, je vous vois, je vous entends très bien, vous aussi. Mais nous, on ne te voit pas. Super. Je ne sais pas si vous voyez tous Isadora ou pas, mais moi, je ne la vois pas. Ah, serait-elle devenue passe-muraille, Isadora?
En tout cas, on va passer cette heure et demie en votre compagnie. Et puis également, je souhaite remercier notamment l'IAE de Poitiers, et en particulier Stéphane Bellini, et puis des étudiants avec lesquels nous avions commencé à construire ce projet, Lucila, Cécile, Sarindra et Augustin, qui ont contribué à la fabrication de ces contenus et puis à l'animation. On remercie également le CFA de l'Université de Poitiers et l'Université de Poitiers. Évidemment, j'ai aussi des collègues qui ont contribué par toutes leurs interventions sur le terrain, puisqu'on a un métier finalement de consultant, qui ont pu alimenter cette réflexion, et plus particulièrement Hélène, qui est en coulisses, et Arnaud Varier, qui tous les deux ont alimenté le contenu que je vais vous présenter, et puis également nos deux chargés d'information communication, vous ne voyez pas, Aurélie et Gaëtane. Et puis finalement, je crois aussi que pour alimenter ce temps d'échange, il y a beaucoup de monde à remercier. Et en premier lieu, je citerai les développeurs en informatique qui sont spécialisés dans les information technologies, mais aussi tous les opérateurs de tours d'usinage, tous les téléopérateurs, les directeurs d'EHPAD, les travailleurs sociaux, les conducteurs routiers, les structures d'insertion, j'en oublie forcément, les services RH, méthode, les services R&D. Bref, finalement, toutes les personnes qu'on croise dans nos environnements professionnels et personnels et avec lesquelles on se retrouve nécessairement à évoquer la question de l'infobésité ou de la surcharge informationnelle qu'on va un petit peu travailler aujourd'hui. L'idée de cette présentation, c'était de vous faire vivre par procuration finalement des mécanismes et puis de s'en écarter un petit peu avec humour pour pouvoir mieux les défaire, mieux les analyser et puis en tirer des enseignements et se projeter aussi dans l'avenir demain. Donc le projet, c'est bien de vous faire partager quelques éléments de sens autour de qu'est-ce qu'on entend par charge informationnelle, infobésité, c'est quoi ces termes-là, qu'est-ce que ça recouvre derrière comme réalité en termes de mécanismes de notre cerveau et puis en termes de mécanismes collectifs également. Et puis de se poser la question de est-ce que notre vie professionnelle est devenue entièrement digitale ? Parce qu'aujourd'hui, on a un environnement qui certes comprend un certain nombre d'outils, mais une amplification de l'environnement numérique qui vient s'ajouter au reste de notre environnement professionnel. On estime que finalement, le nombre de data qu'on traite augmente, double, même tous les 18 mois. Donc c'est un vrai enjeu pour nous. Et puis finalement, la crise sanitaire est venue révéler, mettre en lumière un certain nombre de phénomènes sur cette charge informationnelle, déjà dans la société civile, avec la place que les médias ont pu occuper pour mobiliser notre capacité attentionnelle et nos ressources pour gérer la crise, mais aussi dans le travail finalement. Donc la question c'est finalement, demain, est-ce qu'on peut manœuvrer habilement, avec agilité, dans toute cette forêt informationnelle dans laquelle on est immergé? Ce sera un peu la dernière étape de notre présentation d'aujourd'hui. Mais pour l'instant, il me semble avoir entendu trois coups, donc je vous propose d'assister à ce début de pièce de théâtre.
Bien, merci pour cette première séquence, ce premier acte. Je vous propose, pour réagir à cette séquence, et comme vous êtes nombreux, de participer à un petit sondage. Donc, je vais afficher les questions. Hop, voilà. Ou pas. Si. Ben pas. On va passer au sondage directement, Aurélie, parce que je ne peux pas mettre à l'écran le diaporama. Donc vous allez dans la zone de sondage. Des petites questions qui vont s'afficher. La première, c'est: combien identifiez-vous de sources d'informations, qu'on appellera SI, qui veut dire aussi système d'infos dans votre activité? Et puis la deuxième, c'est combien vous identifiez de sources d'infos utiles dans votre activité? Alors Sandrine, si je peux me permettre, j'ai vu apparaître une question de Anne qui dit: comment définissez-vous une source d'informations? Ah, bien. Ça fait une excellente transition avec la présentation qui suit. Merci pour cette question. Cette question, elle veut bien dire que aujourd'hui, on est dans un environnement compliqué et que source d'information, c'est très large. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Je prie pour pouvoir vous remettre ma présentation. Sinon, Aurélie, je te demanderai éventuellement de bien vouloir faire ça pour moi, parce que là, je... Ah si, peut-être, là. Ça devrait être mieux. Voilà. Alors, qu'avons-nous comme résultat? Nous avons toujours quelques votants. Donc, on va patienter. Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer? J'ai l'impression que ça s'est à peu près stabilisé. Donc, dans vos réponses, vous estimez avoir dans votre environnement des sources d'informations pour 36% entre 5 et 10, mais vous êtes quand même 53% à en compter plus de 10. Et puis, quand on regarde les sources d'informations utiles, les résultats sont sensiblement différents, puisqu'on se retrouve avec seulement 14% de personnes qui estiment que les 10 à 15 ou plus sources d'infos partagées sont utiles. Et finalement, il n'y en a que 1 à 5 qui vous semblent utiles dans votre activité professionnelle au quotidien. Ce qui n'est pas forcément pour m'étonner. J'espère que du coup, là, vous arrivez à voir mon écran. Hop. Alors, effectivement, la question est intéressante. Qu'est-ce qu'on entend par source d'information? Aurélie, il faut que tu prennes le relais. Je ne peux pas accéder au diaporama. Excusez-nous pour ce petit souci technique. Est-ce que c'est OK pour toi? Tant qu'on résout cette petite difficulté, j'en profite pour vous expliquer que l'acteur que vous avez vu avec Fabien tout à l'heure, Hervé, a tourné une partie des séquences et a travaillé avec nous, mais il a un bon mot d'excuse aujourd'hui. Je crois que c'est la maternité qui lui a remis, donc vraiment ce serait difficile de lui faire des reproches sur ce registre là et je ne peux toujours pas partager mon écran, c'est quand même fort embêtant.
Donc, eh bien, on va le faire sans visuel. Je peux te lire ton déroulé. Côté... Ah non, je l'ai, j'ai pas de souci. Parce que tu le vois à l'écran ? Non, du tout, non, je le vois pas. Non, c'était pour... Oui, non, je l'ai, c'est pas... Affiché comme ça, si tu veux, et puis... Non, je l'ai, mais c'est quand même embêtant. Bon, Aurélie, si tu arrives à le mettre à l'écran, moi, j'ai pas la main. Donc, effectivement, à la fois, ce terme de système d'information, il nous évoque du flou, parce que finalement, c'est très large, on a du mal à imaginer ce que ça recouvre véritablement. Et puis, vous le manifestez très bien, il y a souvent un écart important entre les sources utiles et puis les sources, l'ensemble des sources d'informations dont on dispose. Et je vous ai fait un nuage de mots qui représente à la fois les mails, ce qu'on appelle les ERP, hein, les Enterprise Resource Planning, qu'on appelle en français les logiciels de gestion intégrée, mais on trouve aussi tous les systèmes de crowdsourcing, ce que les plateformes téléphoniques utilisent, la place de l'intelligence artificielle, et puis il y a de nouveaux usages des outils numériques grâce à la mise en place du coworking avec les tiers-lieux. On a également des Fab Labs, des Hackerspace, enfin, voilà, tout un environnement très touffu dans lequel finalement la place de la discussion sur notre travail, la place des relations qu'on peut entretenir se trouve grandement modifiée. Donc aujourd'hui, on incrimine un coupable prioritairement qui est l'email. Pourtant, on a aujourd'hui beaucoup d'autres sources qui sont à la fois digitales, mais aussi des sources papier et puis des sources vocales. Hein. On est quand même en interaction verbale avec un certain nombre d'interlocuteurs dans notre travail. Donc, il y a quand même une dimension très large à cette notion de système d'information. Est-ce que je peux avoir accès à mon diaporama ? Je ne sais pas. Ça ne va pas être facile de vous le faire sans le visuel parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont présentés de cette façon-là. Allez, on va y arriver. Normalement, là, je devrais pouvoir faire quelque chose. J'espère que c'est bon pour vous. Voilà le nuage de mots avec... plein d'anglicismes et vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités d'envisager le sujet sous plein d'angles différents. Une façon de parler de cette gestion raisonnée de l'information, c'est de l'approcher par les sources, par les impacts, par les actions qu'on peut mener dessus, par les thématiques qui sont associées. Ce que je vous propose, c'est plutôt de commencer à faire un petit retour vers le futur. Avec notamment la mise en perspective de quel système a été mis en place depuis le milieu du 19e siècle. On voit que finalement, il y a eu une succession et un empilement d'outils qui sont venus s'ajouter les uns aux autres. Évidemment, ça c'est à la maille de l'email, mais finalement, la réalité est la même pour l'ensemble des sources d'informations dont on dispose. Et en dessous, je vous ai mis un certain nombre de paramètres qui ont modifié finalement notre relation de travail et la façon dont on peut l'exercer, à la fois parce que les contacts sont devenus virtuels, parfois asynchrones, à la fois parce que le rythme aussi et le rapport au temps qu'ont généré la digitalisation et la numérisation du travail sont venus changer notre façon de faire. De la même manière, c'est Catherine Sauvageol qui retranscrit ça, le contrôle et la régulation de l'activité se font sous des modes différents avec une traçabilité plus importante. On travaille dans un rapport différent à l'espace, que ce soit les espaces ultra ouverts ou au contraire qu'on se retrouve hors les murs à son domicile, on reviendra sur la question tout à l'heure. Et puis, ces outils, ils introduisent des changements permanents avec une difficulté à stabiliser des compétences et avec le besoin de se les approprier d'une manière très rapide. Alors du coup, il y a un article assez intéressant qui a été rédigé par Jean-Baptiste Rodrigue, qui se trouve à Montréal, mais qui est issu de notre culture
sur notre territoire, sur quels sont les effets qu'il faudrait réussir à contourner et qui sont en lien avec le fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau, il a deux principes qui le gouvernent pour faire face à la gestion de la charge informationnelle. C'est à la fois la mémoire, la vigilance et l'attention. Il faut savoir que finalement, dans notre esprit, on ne peut retenir que ce qu'on appelle un empan mnésique de 7 informations plus ou moins 2, donc entre 5 et 9 informations maximum, et qu'à partir du moment où on dépasse la capacité de cet empan mnésique, on va se retrouver soit en adaptation, soit en difficulté. Du coup, parmi les effets qu'on peut repérer et qui sont à contourner de cette surcharge informationnelle qui vient de sources très différentes, on va retrouver du désengagement, notamment pour les personnes qui sont amenées à faire des activités qui sont fortement en lien avec les sources informationnelles. Il y a des métiers très spécialisés qui se retrouvent à devoir gérer beaucoup de SI, qui ne sont finalement jamais complètement à jour, le travail n'est jamais vraiment terminé. Ça devient compliqué pour certains d'entre eux de continuer à entretenir ce rythme de mise à jour. Et donc, ça peut créer du désengagement, une lassitude, voilà, un besoin de plus de simplicité aussi. Premier effet. Deuxième effet, ça peut être tout simplement un déficit d'attention. En fait, notre attention, elle se divise en deux capacités, maintenir son intensité ou la rendre sélective. Si on maintient son intensité, on va être à différents seuils, soit on va être en alerte, soit on va être en vigilance, soit on va être en attention soutenue. Plus on va venir solliciter l'intensité de notre attention, plus on va consommer des ressources. De la même manière, on va être également sur des questions de sélectivité. Soit je vais me focaliser sur certaines informations et en mettre d'autres de côté, soit je vais alterner et donc répartir mon attention, la diviser entre différentes sources pour pouvoir réussir à faire les choses. Et c'est finalement ce que la CNET que Fabien et Hervé ont retranscrit, c'est-à-dire la nécessité de mobiliser son attention sur des registres complètement différents, mais avec un risque tout de même très conséquent d'entamer la performance de la tâche et puis d'avoir des effets délétères sur soi-même, mais évidemment aussi sur son environnement. Là, en l'occurrence, on se retrouve avec Madame Clément qui serait potentiellement coupée. Donc voilà, le phénomène attentionnel, il est soumis à l'épreuve de la charge qu'on va lui transmettre via les informations qu'on reçoit. Phénomène dont vous entendez parler dans les médias et qui se révèle aussi vrai dans le milieu professionnel, ce sont les principes d'addiction finalement dans la gestion de la charge informationnelle, c'est-à-dire que on peut avoir ce qu'on appelle le fear of missing out, c'est-à-dire la peur de perdre des informations, qui fait qu'on va en permanence se connecter, ça génère une forme d'anxiété et d'hypervigilance, qui fait que finalement, le cerveau n'est jamais véritablement complètement au repos. Donc, addiction, et anxiété sont un peu liées. C'est aussi la peur de ne plus être à la page, de ne pas disposer des informations nécessaires et du coup d'être mis à l'écart, qui fait qu'on va en permanence surveiller finalement les sources d'informations qui sont mises à notre disposition pour faire le travail. Bien évidemment, je vous ai dit qu'il y avait deux principes qui gouvernaient à la gestion de la charge informationnelle, l'attention, mais aussi la mémoire. On possède différentes formes de mémoire, dont la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, excusez-moi, avec des phénomènes de stockage qui se font par le biais de la répétition et qui permettent de récupérer l'information. Cette mémoire, elle va être mise à rude épreuve, notamment dans l'exécution de plusieurs tâches, de ce qu'on appelle le multitasking, c'est-à-dire que finalement, notre concentration n'étant pas totale, les capacités de stockage puis de récupération vont être rendues plus compliquées. Et on sait par exemple qu'après une interruption de tâche, le temps de récupération de sa concentration est estimé à environ 16 minutes, ce qui veut dire qu'on perd en performance autant qu'en capacité d'enregistrement des informations. Autre impact de la charge informationnelle, c'est notre capacité à prendre des décisions qui soient fines, avec un sens critique adapté.
ça peut être assez séduisant finalement d'avoir beaucoup de sources d'informations pour se décider, mais ça peut aussi vite noyer notre esprit et notre esprit, il a aussi besoin par moments de décisions simples, donc ça peut l'amener à finalement faire des coupes un peu drastiques dans la façon dont il va prendre ses décisions, ou être saturé dans la perplexité quant au bon choix à réaliser. Donc ça altère à la fois notre capacité de prise de décision, mais aussi la qualité de notre jugement. La surcharge informationnelle, elle va aussi avoir un impact sur notre capacité de créativité, puisqu'en fait, le cerveau a besoin d'assembler, pour être créatif, un certain nombre d'informations et de disposer d'un temps pour que ces informations s'organisent dans notre tête, une sorte de temps d'incubation finalement, pour que à un moment donné, toutes ces informations s'assemblent produisent une création, une innovation. Donc, à titre individuel, la charge informationnelle importante va rendre compliqué ce temps d'incubation et puis l'assemblage des informations les plus pertinentes pour arriver au processus de créativité. Et de manière collective, ça peut être aussi des effets si le collectif n'arrive pas à se coordonner pour faire que la charge informationnelle soit répartie et traitée par chacun d'entre eux dans le processus d'innovation. Et enfin, la charge informationnelle et la surcharge informationnelle peuvent avoir des effets sur les aspects relationnels, à la fois parce qu'on va peut-être s'isoler face à la surcharge, s'énerver face à la surcharge, du coup être en conflit avec des collègues, devoir argumenter davantage, donc aussi des effets sur la qualité des relations qu'on peut entretenir dans le collectif de travail. C'est d'autant plus vrai que lorsque les systèmes mis à notre disposition ne possèdent pas de possibilité d'adaptation à notre niveau de maîtrise, par exemple, si nous sommes débutants et que l'application est conçue pour des experts, ou si à l'inverse, nous sommes des experts et que l'application ne peut pas être paramétrée pour répondre à nos besoins, on va être soit dans une logique d'échec, soit dans une logique de quasi-dépendance vis-à-vis de l'outil qui va rendre finalement notre travail plus compliqué. Heureusement, le fait d'accéder finalement à des outils digitalisés, à un environnement numérique de plus en plus puissant, présente des avantages. C'est évident qu'avec tous ces outils, nous sommes de plus en plus rapides dans la façon de traiter les informations, que bien évidemment, les outils mis à notre disposition permettent de traiter la complexité que le cerveau, lui, ne pourrait pas absorber. L'avantage de ces outils, c'est aussi que par les sauvegardes qu'ils permettent, ils permettent une traçabilité. Ils permettent aussi, par le biais des réseaux sociaux que peut utiliser l'entreprise, une meilleure visibilité, donc finalement une image de marque employeur mieux assise. Et puis, une certaine fierté, je pense par exemple à l'exemple des facteurs qui, à un moment donné, ont basculé avec des tablettes, des smartphones tactiles et qui présentaient la fierté finalement d'être passé de ces petits bordereaux qu'on remplissait à la main à ces smartphones aussi, s'ils sont bien installés, bien paramétrés et bien entretenus. Et puis, ce sont des outils aussi assez formidables pour faciliter les apprentissages, puisque avec des tutoriels, aujourd'hui, on est dans une dynamique d'apprentissage où on peut observer quelqu'un qui est en train de procéder et reproduire les choses à l'identique. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je citais des travailleurs sociaux, j'en connais, qui utilisent finalement les tutoriels et les vidéos pour rassurer certaines familles qui sont en difficulté dans l'éducation de leurs enfants, en faisant des vidéos sur comment donner un bain au bébé, etc. Donc, ça peut être des apprentissages dans tous les univers. Et enfin, évidemment, ça facilite aussi les coopérations, puisqu'on peut se mettre en réseau très facilement, presque sans inconvénient, une fois qu'on maîtrise les outils. Donc, ça peut être une façon de renforcer les coopérations et de transcender les écarts qu'on peut avoir, y compris en termes de distance, on y reviendra. Et puis, ça permet, à la fois en termes d'apprentissage et de coopération, d'avoir des approches de masse. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui à être connectés. On ne pourrait pas forcément faire ça facilement, alors surtout pas actuellement, mais dans des environnements où vous êtes
sur la France entière, il faudrait opérer un déplacement. Quand on parle de gestion raisonnée des informations versus surcharge informationnelle, infobésité, on parle d'une certaine manière de manager quelque chose qui n'est pas visible. Finalement, ce sont les d'une certaine manière de notre travail, la cadence, ce qui fait que, en termes de capacité d'anticipation et d'ajustement, quel que soit le poste que l'on occupe, ça va être plus compliqué si ce sont les systèmes d'information qui dirigent notre rythme de travail. De la même manière, les canaux de communication qu'on va utiliser vont suivre, même s'ils sont digitaux, les mêmes règles que les canaux verbaux, à savoir un émetteur, un récepteur, et puis des interférences et des relais de communication qui vont modifier peu à peu la qualité de l'information originale, ce qui peut créer à des mauvaises interprétations, à des surinterprétations, plus il y a de relais dans la chaîne de communication. Et puis, manager la visible aussi, ça veut dire que à partir du moment où on est guidé par des systèmes d'information, il faut réussir à quantifier le travail que son collaborateur réalise, tout en tenant compte des capacités de fonctionnement de ces outils digitaux, de mesurer aussi si ne pas avoir réussi à se connecter à tel outil et à produire dans les délais, ça pose un problème d'utilité sociale ou pas. C'est-à-dire que finalement, comment le travail peut être reconnu s'il ne passe que par une vision digitale de l'activité que j'exerce ? Certains salariés peuvent se poser la question de la reconnaissance finalement de la qualité du travail réalisé si on apprécie leur travail que par alors, ce qu'on appelle le ranking, le monitoring ou le rating, c'est-à-dire des façons quantitatives basées sur des reporting qui viennent de ces sources d'information pour évaluer ce qu'a réalisé l'individu. Donc, ça pose aussi la question du sens qu'on peut avoir à son travail si on est amené à ne travailler qu'avec un environnement digital, à ne traiter que des données qui proviennent de cet environnement. Et du coup, il y a certains phénomènes qui apparaissent au niveau de la santé des individus qui sont ce qu'on appelle les « bullshit jobs », donc des emplois qui finissent par perdre leur sens, c'est-à-dire qu'on n'est plus que des personnes qui traitent des données, mais dont on ne sait pas bien quelle utilité et quelle reconnaissance elles vont avoir une fois qu'on les aura extraites, d'autant qu'il faudra les remettre à jour dès le lendemain ou la semaine suivante. Données avec mes collègues de travail. Ça pose la question de l'individualisation, tout simplement, de notre production. Vous avez à l'écran deux statistiques, alors qui s'appliquent plutôt à une population de cadres, puisque c'est un sondage qui date de 2019 qui a été réalisé par l'APEC. Le premier, à votre gauche, vous montre finalement comment les supérieurs hiérarchiques donnent des indications à leurs collaborateurs. Que ce soit en 1991 ou en 2016, finalement, le management tend à indiquer uniquement l'objectif et à moins expliquer comment assurer cet objectif. Donc, ça veut dire que les individus, en tout cas cette population cadre, doit trouver le chemin par elle-même de réalisation de l'activité et n'a pas ce travail de traduction que le manager est censé faire entre le sens qu'a donné la hiérarchie, le groupe, l'entreprise et l'application concrète qu'on souhaite en faire derrière. Sur l'autre partie de l'écran, vous avez une autre extraction de la même enquête qui dit comment les salariés cadres sont amenés à régler les difficultés et les incidents qu'ils déclarent, puisque les systèmes d'information sont souvent établis avec un fonctionnement idéal, avec peu d'idées qu'il va y avoir des aléas. Aujourd'hui, les cadres disent que dans la plupart du temps, ils règlent eux-mêmes leurs difficultés et qu'ils font appel quand même aux autres. Donc, ils essayent de se coordonner, mais c'est de leur initiative.
Donc, ça pose la question de l'individualisation, en fait, d'être confronté à des sources informationnelles pour lesquelles on est censé être autonome. Chaque individu travaille avec les informations qu'il a reçues, il doit faire avec, il doit se débrouiller. Et donc, ça peut réinterroger la façon dont les managers auraient à coordonner l'activité et faire en sorte que tout le monde se partage cette source d'information et soit bien en lien les uns avec les autres. Je pense en particulier à l'exemple que j'ai pu rencontrer du guidage vocal chez les préparateurs de commandes, où on voit que finalement, c'est le guidage vocal qui tient lieu d'autorité dans la gestion de l'activité des préparateurs de commandes et que ça crée des comportements individualistes dans lesquels la hiérarchie a plus de mal à positionner des régulations entre les salariés qui préparent les commandes. Autre élément à considérer, c'est le rapport au travail prescrit. Parce que ce qu'on appelle le travail prescrit, c'est le travail qu'on nous donne à réaliser. Il est prescrit en général par la hiérarchie. Dans cette étude qui transcrit finalement comment le monde du travail a évolué et quels impacts perçoivent les individus sur leur activité, vous avez sur la partie gauche de ce tableau un certain nombre de paramètres qui sont listés comme étant prioritaires comme évolution et impact comme évolution dans l'environnement des individus. Puis vous avez sur la partie centrale ceux qui ont eu un impact significatif, en particulier sur l'activité des cadres. Le multitasking, on le retrouve, donc je suis obligée de faire plus de choses en même temps et donc de solliciter mes ressources cognitives de manière plus importante. Je dois m'acclimater à de nouveaux moyens de communication, dont des moyens qui sont portables et qui vont générer potentiellement des nouvelles pratiques professionnelles. Et puis je vais avoir plusieurs projets à gérer en simultané. Tout ceci donc les amène à devoir réorganiser leur travail en fonction de priorités, à essayer de simplifier leur environnement et sollicite beaucoup la charge mentale ressentie et également met en difficulté les marges de manœuvre dont ils peuvent disposer pour pouvoir réfléchir, choisir posément et puis pouvoir se reposer. Dernier petit point avant de basculer sur une nouvelle séquence vidéo, la question des incivilités numériques, qui n'a pas de forme juridique en tant que telle, mais qui n'est qu'une extension des incivilités tout court. Je vous ai mis le visuel d'un rapport qui a été édicté il y a peu de temps sur l'augmentation des incivilités numériques, qui peuvent être de forme, ça peut être le ton, ça peut être un ton trop informel ou des formules de politesse un peu excessives, ça peut être la taille des caractères, ça peut être la ponctuation qu'on utilise, et puis sur le fond, ça peut être des usages excessifs, des mises en copie pour avoir des témoins qui fait qu'on se retrouve avec la notion de pourriel, on a plein de mails qui ne nous conservent pas complètement. La question de l'hyper-disponibilité aussi, puisqu'il faut être réactif. Donc, ces incivilités numériques, elles augmentent et une façon de les régler, c'est du coup d'en faire prendre conscience, de poser des règles, de communiquer largement et de les surveiller aussi par certains outils numériques qui existent. Voilà comment on peut poser le décor. Mais je vous propose que, on bascule sur une nouvelle séquence puisque Hélène me dit qu'il n'y a pas de questions sur cette première partie.
culture plutôt geek. Et puis, bah, du coup, je vous laisse imaginer le contraste avec la petite scénette qu'on a pu observer à l'instant. Et pour réagir à votre scénette, je propose de répondre au sondage donc, qui pose la question de les systèmes d'information, sources d'information. Je crois que vous ne m'entendiez pas correctement. Est-ce que c'est mieux là maintenant? Je pense que oui. Je ne sais pas, du coup, vous m'avez perdue, mais je vous propose de réagir donc, au sondage. Est-ce que ça facilite ma performance ou est-ce que ça la ralentit? Et est-ce que ça me permet de réguler les relations avec le collectif de travail ou pas? Alors, que nous dites-vous? Ça bouge encore. Ça continue de voter. Alors, donc, je redis parce que visiblement, vous ne m'entendiez pas tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est qu'un hackerspace. Un hackerspace, c'est finalement un tiers-lieu où se retrouvent des personnes qui ont un intérêt commun et en particulier sur les technologies, le digital et le numérique. Donc, ce sont en général des personnes qui ont une culture geek, qui adorent la connexion, etc. Et puis du coup, on voit bien que dans la scénette que Fabien et Hervé nous ont proposée, il y a un petit effet de décalage puisque je suis en congé. Bon, je me retrouve quand même un peu à venir faire du rangement dans mon bureau et puis mon téléphone sonne, je suis en congé, je ne réponds pas, enfin, selon toute bonne logique. Mais quand même, c'est un peu dans la culture, donc... J'ai le bon et le méchant qui m'incite soit à répondre, soit à pas répondre. Je suis hésitant, puis je finis par répondre parce que c'est quand même le boss. Donc, on voit bien que cette frontière entre l'univers dans lequel je baigne professionnellement et l'univers personnel est difficile à maintenir. Si on regarde vos résultats de sondage, on se retrouve avec des sources d'informations qui contribuent pour 71% à votre performance. Mais malgré tout, 29% qui considèrent qu'elles la ralentissent. Et peut-être que certains auraient répondu, si on avait laissé cette possibilité, les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, ça contribue à ma performance une bonne partie du temps, et pour une partie, eh bien, du coup, ça peut me ralentir. Et puis du coup, est-ce que ça facilite la régulation avec les collègues? Là, les choses sont plus partagées, c'est-à-dire que oui et non, certainement, ça peut créer des effets de distanciation numérique, tout en ayant des avantages, comme on a pu les citer tout à l'heure, par la mise en relation facilitée et par le partage de données qu'on peut faire entre nous. Ok, du coup, pour rebondir sur ces éléments-là, je vous propose de partager ensemble quelques enseignements de la crise qui vient de s'écouler, puisqu'on a eu l'occasion d'accompagner un certain nombre de managers pendant les mois qui viennent de s'écouler, et donc de les entendre s'exprimer sur... Hop. Je pense que ça devrait être bon. S'exprimer sur la façon dont ils vivaient les choses. Alors, deux éléments de statistiques. Au 8 avril, 20% des salariés actifs étaient en télétravailleurs. 3 semaines plus tard, ils étaient 28%. Donc, un effet de masse qui nous a permis de tester le télétravail in vivo et à grande échelle. Et puis, pour ceux qui travaillent sur site, la crainte de la contamination, plus ou moins importante, pour 71% quand même des salariés. D'un côté, des télétravailleurs qui ont été soumis très vite à une gestion de la charge informationnelle organisée ou pas organisée. Et puis, pour ceux qui travaillent sur site, une mobilisation de l'esprit pour faire face à leur propre crainte d'être contaminés avec un certain nombre de réflexes à réactiver.
Et d'une manière générale, un état de détresse pour 44% de la population dans la situation vécue. Statistiques qui sont plus importantes si on est en couple avec des enfants, puisqu'on est là vraiment mis sur plusieurs registres en parallèle. Donc, dans les enseignements qu'on peut trouver dans cette crise de coronavirus, eh bien, il y a des effets individuels qui, bien sûr, se portent sur notre charge cognitive. Toutes les études sur les épidémies, les catastrophes naturelles montrent que les individus sont dans des phases de déstabilisation psychique importantes. Donc, c'est normal de vivre cette phase de déstabilisation. Elle se porte en particulier sur une surcharge cognitive. Et je pense que pour ceux qui ont découvert le télétravail, qui ont dû s'habituer aux outils de visioconférence et aux échanges à distance, vous avez pu mesurer que bah, du coup, ça avait un impact sur votre fatigue. Les médias aussi ont mobilisé nos esprits pour interpréter les informations à la fois complexes et multiples, et on a perdu des repères temporels. En fait, il y a des neuroscientifiques qui considèrent que notre cerveau est fait pour se nourrir de coopération et que donc il a fallu activer certaines zones pour lutter contre notre besoin de contact social et aussi pour inhiber des pratiques qui ne nous mettaient pas en sécurité. Donc, le cerveau a fait des efforts supplémentaires pendant la crise pour s'adapter aux événements. Et puis, bon, évidemment, on a vécu ça de manière différente selon qu'on était seul, accompagné, selon qu'on avait un parcours antérieur compliqué, voilà. Mais ça a aussi eu des effets collectifs, puisque du coup, si les outils numériques peuvent parfois améliorer nos échanges, ils peuvent les rendre plus tendus aussi, par le biais des incivilités numériques que je vous évoquais tout à l'heure. Et ça crée aussi de la désorganisation, bien sûr, de ne pas pouvoir passer une tête sur le poste de travail du voisin pour lui donner une information, d'être obligé de passer par des moyens un peu différents. Donc, ça a eu des effets également collectifs qu'on a pu observer, et ça a aussi eu des effets sur la perte d'entraînement qu'on peut avoir dans nos gestes professionnels. Notamment, je suis passée en chômage partiel, eh bien, est-ce que je sais encore me servir de la machine-outil ? Je suis effectivement une personne vulnérable, je suis en arrêt. Est-ce que demain, je saurai encore réutiliser le logiciel que j'avais l'habitude d'utiliser au quotidien ? Il va falloir réactiver un certain nombre de réflexes quand on va retourner sur son activité. Et encore, cette activité sera-t-elle partiellement adaptée ? Donc, ce ne sera pas l'activité dont j'ai l'habitude. Petit zoom sur comment le télétravail s'est passé pendant cette période-là. Alors, je vous ai remis le texte de loi, les grands principes de la mise en place traditionnelle du télétravail. C'est qu'il est possible à l'embauche, mais aussi après, qu'il est volontaire, bilatéral et réversible, qu'il passe normalement par un accord et une charte qui font l'objet d'une négociation, l'employeur peut refuser, mais motiver le refus. Qu'on conserve les mêmes droits quand on est et les mêmes obligations quand on est en télétravail que quand on est sur site. Que la réglementation en matière d'accident du travail est la même. Pour autant, et je vous ai mis dicté par le ministère du Travail sur télétravail et déconfinement, nous n'avons pas forcément vécu la mise en place du télétravail avec toutes ces conditions. Donc, on verra tout à l'heure comment on peut remobiliser le télétravail de façon satisfaisante. Quelque chose qui, dans le télétravail, fait le lien avec le sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est le droit à la déconnexion, qui est un texte qui se trouve aujourd'hui placé du côté de l'égalité professionnelle. C'est dans les textes en relation avec l'égalité professionnelle, issu aussi d'un rapport, vous trouverez en référence le rapport Mikling. Ce droit à la déconnexion, il n'a pas de forme attendue particulière par le législateur. Il doit faire l'objet de la négociation sur le télétravail, doit donner lieu à la rédaction d'une charte. Ça peut être une vraie opportunité organisationnelle, mais ça peut aussi être un leurre individuel si on laisse à la seule main de l'individu la capacité de trouver les moyens de se déconnecter. Donc, ça veut dire que ce droit à la déconnexion, aujourd'hui, il est encore mal maîtrisé. Quand on lit les accords cadres des grandes entreprises qui se sont penchées dessus, on trouve des mesures qui sont de divers ordres, se former aux outils et avec des règles d'usage des outils numériques qui soient clairement établies.
couper les serveurs pour ne plus permettre aux personnes de se connecter, ou alors engager des actions de type zéro mail, en tout cas avoir cette ambition-là, et de privilégier les contacts directs. Pour autant, si votre charge de travail est conditionnée par les outils et que l'organisation ne permet pas d'absorber la charge dans des conditions satisfaisantes, ce droit à la déconnexion ne fonctionnera pas. Donc, il faut réfléchir d'une manière générale à l'organisation de l'activité pour qu'il soit réaliste. Alors, on n'a pas tous été égaux face au télétravail pour ceux qui l'ont vécu. Vous avez ici un sondage qui présente comment les personnes se sont positionnées pendant la période de crise. Les personnes les plus en difficulté, ce sont plutôt les femmes. Sur des tranches d'âge qui se trouvent entre 30 et 49 ans, probablement en lien avec le fait qu'on ait des personnes au foyer, donc des enfants pour lesquels il a fallu faire classe à la maison. Et ceux qui l'ont peut-être vécu le mieux sont des personnes certainement en deuxième partie de carrière, qui ont un espace de travail peut-être plus confortable et des enfants plus autonomes. Donc vraiment une inégalité pour le vécu en fait des télétravailleurs. Une bonne façon, idéale on va dire, enfin idéale non parce qu'on l'applique comme ça dans les projets d'accompagnement qu'on peut avoir dans les entreprises, une bonne façon en tout cas de mener un projet de mise en place du télétravail, c'est de pas à pas, c'est par des étapes de préparation, manager, collaborateur, d'analyser l'activité, ses conditions d'exercice, et puis de définir des scénarios et de se lancer pour le tester. Alors, tout ça, c'est très bien, mais en fait, quand on est en période de crise sanitaire, toutes les premières étapes sont drastiquement écrasées, on n'a pas le temps de réfléchir. Donc, on se retrouve finalement à tester in vivo une expérimentation à grande échelle. Plus d'étapes de mobilisation, plus d'étapes pour se mettre d'accord. Le 16 mai, tout le monde embarque son ordinateur chez lui et s'installe tant que faire se peut dans des conditions qui permettent de réaliser le travail. Eh bien, c'est pas grave parce que comme on a la chance d'avoir vécu cette expérimentation, il faut l'analyser, repérer les conditions qui étaient favorables parce que les télétravailleurs ont réussi à réaliser leur activité dans des conditions plus ou moins satisfaisante, avec un sentiment de satisfaction plus ou moins grand. Mais en analysant les facteurs qui ont fait qu'ils s'en sont sortis ou que ça a été compliqué, on va pouvoir rebasculer sur une étape de retour d'expérience et d'ajustement qui va permettre de reposer les bases d'un télétravail serein. Parce que ce qu'on a vécu finalement, ça n'est pas du télétravail, c'est du télétravail contraint ou du travail à distance avec des enfants. Moi, j'ai mes oreillettes qui s'en vont. Dans les échanges qu'on a pu avoir avec les entreprises qui vivaient la période de confinement puis de reprise d'activité, ce qu'on retient, c'est que les sources d'informations sont venues questionner notre organisation et notre mode de management. Avait-on identifié des activités télétravaillables? Comment connaître l'activité réalisée lorsqu'elle n'est plus visible? Est-ce que je peux me contenter de commander et de contrôler l'activité, comment j'évalue la charge que j'ai transmise à la personne, sachant qu'elle est dans des conditions qui lui sont propres, d'où la nécessité de s'ajuster aux conditions de chacun. Et on a vu des choses assez extraordinaires chez les managers qu'on a pu accompagner, cette capacité à prendre en compte le contexte pour ajuster la charge de travail et l'activité confiée. Et puis, des questions de régulation collective. Si toi, tu ne peux pas le faire, ton collègue qui a des conditions différentes peut-être prendre en charge cette partie de ton activité que tu n'es pas en capacité de réaliser. Deuxième enseignement sur les sources d'informations pendant cette période, ben, sans surprise, c'est les questions qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire cette question de l'hyperconnexion, puisqu'il suffit de se translater de quelques mètres de sa cuisine à son ordinateur et de son ordinateur à sa chambre. Donc, finalement, une difficulté à couper, pas de rupture entre le pro et perso, et puis une surcharge informationnelle pour certains parce que beaucoup de directives gouvernementales, beaucoup de protocoles, beaucoup de consignes d'ajustement de l'activité, donc avec une vraie fatigue cognitive. Le constat aussi
beaucoup de managers que finalement tout seul, c'est quand même beaucoup plus compliqué de régler cette période de crise que lorsqu'on échange à plusieurs et que l'autre m'apporte à la fois une distance de point de vue, mais aussi des idées auxquelles je n'avais absolument pas pensé. Et puis des effets inattendus aussi, notamment quand on est en visioconférence où on a pu nous animer des espaces d'échange de pratiques, où les niveaux hiérarchiques sont complètement gommés et on se retrouve avec des gens du territoire entier qui ne se connaissent pas et qui se mettent à parler de leur travail parce qu'ils ont le même problème pour faire face à la crise. Donc de belles choses aussi en termes de partage dans cet aspect de dimension humaine. Sur le volet collectif, c'était une vraie question de beaucoup de managers de se dire « je ne vois pas tout le monde parce que moi je suis en télétravail ou parce que eux sont en télétravail, comment je fais pour savoir comment ils vont ?» Parce que je suis préoccupée par la période et que je veux savoir comment ils vont, comment je fais ? Donc là, on a pu les accompagner avec la mise en main d'un certain nombre d'outils. Est-ce que je maintiens des rituels collectifs, genre on prend le café en visioconférence tous les matins à 9h ou pas ? Et puis comment je fais en sorte que entre ceux qui sont en première ligne et ceux qui sont en chômage partiel parce que ça a pu se produire, comment je crée cet équilibre entre ceux qui voilà, sont sur-sollicités, très sollicités et ceux pas du tout. Et puis évidemment dans les collectifs de travail on a vu et on a entendu un certain nombre d'incivilités numériques qui nous ont été retranscrites. Autre point que les sources d'informations qui nous mobilisent démontrent, c'est que plus on va être dans une politique d'anticipation et de prévention, et notamment en termes d'équipement digital, plus ça va être facile. Finalement, il y a des structures qui ont très bien vécu cette mise en place massive du télétravail parce qu'elles avaient déjà commencé à travailler sur la question, elles avaient déjà tous les outils de sécurisation, elles avaient vraiment beaucoup de choses qui étaient en place, les informaticiens étaient prêts. Donc, la mise en place technique n'a pas été la plus difficile. En revanche, bien sûr, il a fallu passer par des apprentissages. Et puis, du coup, en termes de politique de prévention, cette gestion du virtuel a dû amener, pour certains, à prendre des mesures de prévention tertiaire, hein, c'est-à-dire finalement de correction de situations dégradées, relationnelles en particulier, mais aussi à repenser leur politique de prévention, l'évaluation des risques qu'ils avaient réalisés préalablement. Et les sources d'informations sont aussi venues interroger la relation qu'on avait avec notre environnement, alors avec des clients ou des usagers, c'est-à-dire des clients qui avaient l'habitude d'être en accès immédiat à la réponse, et du coup, qui là devaient peut-être faire face à du télétravail qui se mettait en œuvre dans des conditions différentes. Aussi, la question de comment est-ce que je vais gérer finalement le flux de visiteurs sur les sites, sur les SAV, etc. Et puis, la question du flux informatique, est-ce que je vais disposer d'assez de flux pour pouvoir faire face à la sollicitation dont on va faire l'objet dans notre structure. J'en ai terminé de cette séquence sur le retour d'expérience sur la crise. Je vérifie les questions que vous pourriez avoir. Excusez-moi. Alors, on a une question sur le management, me dit Hélène, qui a été employée en télétravail par les managers. On a constaté que beaucoup de managers, dont ceux qu'on a accompagnés en tout cas, s'étaient réhabitués, enfin pas réhabitués, mais s'étaient mis en ordre de marche pour fonctionner différemment avec leurs collaborateurs. Certains ont pu nous dire, avant de parler travail, déjà j'ai vérifié qu'ils allaient bien. Le premier contact que j'ai pris, c'était juste pour savoir s'ils allaient bien. Parce qu'il y avait cette inquiétude massive qui était partagée collectivement, mondialement d'ailleurs, prenez le dessus finalement sur le travail. Ce qui veut dire d'ailleurs que le travail a repris une place qu'il aurait peut-être pas forcément dû quitter, c'est-à-dire que c'est un des éléments de la vie d'un individu et que ça permet de considérer l'individu dans l'ensemble de sa situation. Certains ont décidé d'ajuster l'organisation en travaillant avec leurs salariés sur comment on peut faire en sorte d'absorber
l'activité, quelle portion on maintient de l'activité, quelle portion on abandonne. Et puis, pour ceux qui ont souhaité plutôt concevoir pour le compte de leurs équipes les organisations, les protocoles, les process dégradés, un peu de frustration parce que finalement, l'appropriation est plus difficile par les salariés, que d'ailleurs qu'ils soient en télétravail ou pas en télétravail, mais l'appropriation est plus difficile puisqu'il s'agissait de changer leurs gestes professionnels habituels et que de ne pas les avoir associés à la construction a rendu la charge justement d'assimilation des nouveaux protocoles plus importante. J'entends qu'on toque, il me semble que nous avons une nouvelle séquence qui nous attend, donc je vous propose de passer à l'acte 3. Si ça fonctionne. Moi, c'est bon, vous m'entendez ? Alors, est-ce que vous m'entendez aussi ? Vous me voyez oui, bien ? Caro, je t'entends ? Allô, okay. Caro ? Ah, c'est bon, ouais, c'est bon, Jean. Ouais. Ah ben, dis donc, ça pousse, ça te va bien ? De quoi la barbe. Ah ben non, mais oui, non, mais ouais, ben, oui, de toute façon, toi, je suis sûr aussi que tu ne te rases pas beaucoup ce temps-ci, là, avec le... Oui, bon, écoute, donc, je t'appelle pour le mail, là, sur la proposition de logiciel pour le webinaire. Ouais. Je ne l'ai pas reçu. Ah ouais, ben, c'est bizarre, parce que je crois que je te l'avais envoyé à 9h ce matin. Sur le mail pro. Oui, ouais, sur le mail pro. Bon. Attends, je vérifie. Quitte pas. Hein. Non, Manon, papa travaille là. Va voir ta mère, s'il te plaît. Va voir ta mère. Pardon, hein, je cherche encore. Hein, je suis dessus. Charlotte, oui. Non, le dossier manière, c'est sur le Drive. Non, pas le Google Drive, le Pro. Ouais. Non. Bah, sur l'intranet, alors tu. Ok, merci Charlotte. Okay. Bon, désolée. Non, c'est bon. Tu l'as là, t'es avec moi? Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. En fait, non, je te l'avais envoyé sur le mail perso. Désolé, je suis vraiment désolé. Bah ouais, mais on avait dit qu'on n'utilisait pas le mail perso, donc forcément, j'ai pas ouvert. Ouais, mais tu sais, quand je remplis ton mail, enfin, j'ai pas fait attention et puis c'est parti tout de suite. Non, Manon, je suis désolé. Va voir ta mère. Hein. Tu vas voir ta mère. Je la papa travaille. Non, pardon. Écoute, non, c'est pas facile avec les enfants. Hein. Je t'apprends rien. Ouais, bah t'inquiète pas. Moi, j'ai réussi à mettre Mario devant des animés là, mais. Et mon imprimante, tiens, d'ailleurs, m'a lâché ce matin. Je suis. Ça, c'est pas pratique, ça. Enfin, tu m'étonnes, avec tout ce qu'on a imprimé en ce moment, ça ne m'étonne pas vraiment non plus, quoi. Bon, ça y est, ouais. Je viens de te renvoyer le mail là, au sujet du choix du logiciel là, pour le webinaire. Je viens de te l'envoyer. C'est bon, ben, j'avais ouvert ma boîte perso, en fait. Donc, Jean, l'image est figée là, ça ne bouge plus. Non, non, c'est que j'étais en train de lire le mail du DRH, là. Enfin, bref, je répondrai tout à l'heure. Donc, ouais, je te disais, j'ai envoyé un mail avec différentes propositions là, pour le choix d'une interface là, pour le webinaire. Du coup, il y a plusieurs propositions. J'en ai trouvé une vraiment top, nickel. C'est hyper réactif, c'est très ergonomique. Ça va vraiment plaire à Gisèle en plus. Ça s'appelle Zoom. Ah non, Jean Zoom, on a dit qu'en réunion, on... Tu sais, Patrick ne veut pas s'enregistrer, s'inscrire à cause des données piratées, tout ça. Là. Non, non, il faut que tu trouves autre chose. C'est dommage parce que c'est pas mal. Bon, bref. Et sinon, après, en deuxième proposition, j'avais Messenger. Ah ouais, mais Messenger, c'est Facebook. Donc, c'est pareil sur les données perso. Mince, parce que du coup, c'est quand même pratique, parce que du coup, tout le monde est inscrit, enfin, tout le monde est déjà dessus, et puis, tu veux pas qu'on essaie de tester, parce que tu vois, je peux t'envoyer un fichier, là, j'ai le PowerPoint là, de la réunion de vendredi, attends, je me connecte. Ouais. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais c'est que c'est Hervé, il a partagé une photo de chat, c'est hyper mignon. Bon, bah, tu vois, on laisse tomber Facebook, rien que ça, c'est même pas la peine. Okay, attends. Bon, tu vois, c'est le DRH qui envoie un message sur le groupe WhatsApp pour dire qu'il a envoyé un mail. Ok, bon, bah, ok, pratique. Non, mais écoute, ce que je fais, je continue de peaufiner là sur les interfaces et puis je te renvoie un mail et puis on en reparle demain. Ouais. Quoi. Ok. Sinon, tu peux me donner ton adresse postale ? Bah, tu m'as dit que tu vois, tu avais des problèmes là, sur la fiche de renseignement, là, sur le dossier Fongal, il y a plein de trucs à faire. Et puis je me suis dit que vu que tu n'avais plus d'imprimante, ce serait peut-être plus simple que je te l'envoie par la poste.
Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Allô, Caro? Non, je t'ai plus du tout. Bon, ben bah, écoute. Non, là, je t'ai plus, Caro. Écoute, ce que je vais faire, je te laisse parce que là, attends, il y a Manon qui fait n'importe quoi. Et Manon, va voir avec ta. Donc, Caro, je te laisse pour plus tard et puis on se revoit plus tard. Hein. Je suis de retour. Ah, Jean. Bon. Et voilà, c'était la fin de l'intervention. On n'a pas de. Voilà, fin de la première intervention de Quiproquo Théâtre. Là, je ne sais pas comment c'est la connexion de votre côté. Merci Fabien, Isadora. C'est une première fois, hein. C'est autant ouais, que. C'était super. J'avais l'impression que c'était moi, dites donc. Et je suis la seule. Non, c'était super. Bien. Alors, pour réagir à cette petite séquence qui, là, n'était pas du tout enregistrée, mais en complète improvisation de votre part, donc on est d'autant plus bluffés, on vous propose de participer au sondage avec les questions suivantes. Je partage les questions. Pardon. Eh ben non, je ne les partage pas. Elles vont s'afficher. Les ici contribuent à ma qualité de vie au travail ou les ici diminuent ma qualité de vie au travail. Et puis, deuxième question, c'est je reçois des outils de système d'information clés en main ou je suis associée à la conception et au choix des outils. On vous laisse quelques instants pour répondre. Alors, ça monte tout doucement. Quasiment plus de votants. Donc, les SI contribuent-ils à ma qualité de vie au travail ou les diminuent-ils? Bien, vous n'êtes pas très très partagé hein, entre 60 et 40%. Globalement, un petit peu plus positif quand même. Et puis, est-ce que je reçois les outils clés en main ou est-ce que je suis assez associée à la conception et au choix? Là, on rejoint des approches statistiques qu'on avait déjà auparavant. On constate régulièrement que du coup, les utilisateurs ne sont pas souvent associés. Ça semble être le cas pour seulement un quart d'entre vous dans l'utilisation de vos systèmes d'information. Alors du coup, pour aller vers demain de manière plus sereine, je vous propose d'évoquer ce qui... Pardon, je n'ai pas l'impression d'avoir fait le partage. Hop, je sors. Je refais ça bien. Voilà, et je me mets en plein écran. Voilà, je vous propose de réfléchir à ce qui fait qu'on passe une bonne journée au travail. D'une manière générale, ce qui fait qu'on passe une bonne journée au travail, c'est à la fois d'avoir... vous voyez les racines qui nourrissent finalement cet arbre-là de la qualité de vie au travail. C'est un modèle qu'on a
construit avec les partenaires sociaux en Nouvelle-Aquitaine. Les trois conditions essentielles, c'est d'avoir des conditions de travail satisfaisantes, à la fois un environnement physique, matériel, organisationnel et relationnel respectueux de nos besoins, d'avoir un travail qui a du sens et du contenu, et puis d'avoir les possibilités de s'exprimer et d'agir sur son travail. En écho à la crise, finalement, on a envie de réfléchir à demain. Comment est-ce qu'on va passer de bonnes journées de travail? Et est-ce qu'à partir de ce qu'on a vécu sur les dernières semaines et celles qui nous restent encore à vivre en mode de transition, est-ce qu'on va pouvoir développer un contenu et un sens du travail différent? Est-ce qu'on va redévelopper des conditions d'exercice? Et puis, est-ce qu'on va pouvoir s'exprimer et agir sur son travail davantage en regardant ce qu'on a été capable de faire pendant cette crise? Parce que tous, on a été capable de faire des choses qu'on n'imaginait pas forcément nécessairement possible. Certains avaient des freins naturels et puis d'autres se disaient « j'essaierai bien, mais peut-être le collectif n'est pas OK ». Donc du coup, ce qu'on vous propose, c'est d'imaginer qu'on va tenir compte des capacités de l'homme au travail, puisque l'homme au travail, ce qu'il caractérise, c'est des capacités cognitives qui sont immenses, bien sûr des capacités psychiques et physiques aussi, mais pour autant, avec des limites, on en a parlé tout à l'heure, on a des capacités attentionnelles et mémorielles qui sont certes très puissantes, mais limitées. Fort heureusement, on a de grandes capacités d'adaptation et de compensation. Pour autant, lorsqu'on est en suradaptation et en surcompensation, on va dégrader finalement la performance de ce qu'on produit. Donc, ça n'est bon ni pour nous parce que ça va altérer notre santé, ni pour l'entreprise qui nous emploie puisqu'elle va obtenir un travail de moins bonne qualité. Et puis, il faut se dire que d'une manière naturelle, l'être humain donne la priorité à un travail bien fait parce que c'est là qu'il trouve sa reconnaissance, sa satisfaction. Et que donc, du coup, si on donne priorité au travail bien fait, parfois, on va aller creuser dans nos capacités pour pouvoir réaliser ce travail, même s'il est compliqué. Et puis, bien évidemment, l'individu, bah, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est la tête, le cœur et le corps qui fonctionnent simultanément. Donc, ne travailler que sur les capacités cognitives ou ne travailler que sur le volet technique ne permet pas finalement de concevoir des interfaces homme-machine qui soient tout à fait satisfaisantes. Il faut plutôt considérer que ces interfaces homme-machine doivent être dans une logique de symbiose, c'est-à-dire que ce sont des organismes qui sont réciproquement profitables. Le système d'information doit nourrir l'individu et l'individu doit pouvoir l'alimenter selon les besoins qui sont définis par l'entreprise. C'est encore plus vrai en temps de crise, puisque vous avez sur la droite de l'écran un petit schéma qui est retranscrit le fait que la charge cognitive, elle a été mobilisée de manière extrinsèque parce qu'il y avait des informations plus ou moins complexes. Il y avait beaucoup d'informations à traiter. Et finalement, ce qui était utile, ce qui reste dans notre charge cognitive, la charge utile disponible, pouvait se trouver amoindri selon la présentation qu'on pouvait faire des informations et leur propre complexité intrinsèque. Des informations complexes, présenté de manière complexe, ne laissait pas beaucoup de possibilités à une charge cognitive dégagée. Je remercie Hélène qui a fait une modélisation de ce qu'on a pu vivre et de ce qu'on peut vivre en matière de charge et surcharge, puisqu'on peut l'interpréter soit sur le versant de la surcharge pendant la période de crise, soit d'une manière plus neutre par le biais de la charge. Nous avons sur le registre individuel une dimension de charge cognitive, voilà, qui a un certain périmètre. Et sur le registre organisationnel, les structures dont nous dépendons génèrent une charge informationnelle et une charge communicationnelle. C'est-à-dire que à la fois, il y a la forme et le contenu qui viennent interférer avec notre propre disponibilité cognitive. À cela est venue s'ajouter pendant la période de crise la notion d'urgence qui existait déjà auparavant mais qui est devenue prégnante. Et le tout conduit à avoir une charge ressentie ou un sentiment de surcharge selon les différents paramètres qui sont présents sur ce schéma. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler sur les différents axes. Alors, comment on peut faire pour travailler sur ces différents axes
Évidemment, il y a tout un axe managérial. Alors, je sais que vous aviez une question tout à l'heure sur des exemples de retour d'expérience réussis. Pour assurer une meilleure régulation de la surcharge informationnelle, par exemple, le personnel soignant de certains établissements a choisi de ne se fier qu'à une seule source informationnelle fiable, reconnue, de mettre à disposition ces informations d'une manière visuelle et dans un endroit qui est repéré par tous, d'en faire le commentaire à l'oral à chaque transmission et à chaque prise de service pour réduire l'incertitude que vivaient les personnels soignants, réduire les variations et les aléas qui ne manquaient pas de survenir parce que les protocoles changeaient très régulièrement de prise en charge. Ça, c'était une façon de maîtriser. D'autres nous ont expliqué que pour faciliter l'appropriation des informations qui étaient très changeantes et qui surchargeaient notre cerveau, ils utilisaient des quiz pour voir si les personnes, pour faire des techniques de rappel, voir si les personnes s'en souvenaient. D'autres utilisaient des passages de témoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est moi qui le présente, demain ce sera toi, après-demain ce sera quelqu'un d'autre. On est tous porteurs des variations qu'on a introduites dans notre organisation pour que tout le monde puisse se les approprier d'une manière facile. Dans les choses réussies aussi pour faire face à la surcharge informationnelle, on a trouvé le moyen d'évaluer aussi comment les personnes se sentaient par le biais de sondages administrés en ligne qui donnaient des vues d'ensemble sur les points d'achoppement. Est-ce que ma charge est mal régulée? Est-ce que ce sont les communications avec mes hiérarchies qui ne sont pas claires? Est-ce que je suis en difficulté dans la relation avec les clients ou les usagers? De manière à pouvoir dégager des plans d'action priorisés. Et puis, un élément important aussi qu'il ne faudra pas négliger, c'est la capacité à accuser réception de la période qu'on vient de vivre, qui était lourde, conséquente pour chaque individu et pour chaque collectif, et qu'il ne s'agit pas de rebasculer dans un univers comme si de rien n'était, puisque nos ressources ont été mises à forte contribution. D'ailleurs, les sondages montrent que les salariés, ça a créé chez eux des attentes différentes, des attentes de meilleure articulation des temps de vie, des attentes de plus de sens dans le travail, des attentes de reconnaissance aussi. Donc, dans les expériences qui ont bien fonctionné, il y a des managers qui ont pris le temps d'écouter les salariés pour tirer les leçons finalement de ce qu'ils avaient trouvé robuste et ce qu'ils avaient trouvé fragile dans l'organisation adaptée qu'ils avaient mise en place et pour le projeter dans la période qui arrive, puis le projeter à plus long terme. Deuxième façon de réduire la surcharge informationnelle et de se tourner vers une gestion raisonnée des informations, c'est ce qu'on appelle la maîtrise d'usage. Alors, on connaît bien la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, mais la maîtrise d'usage, elle renvoie au fait d'associer les futurs utilisateurs à la conception des outils qui sont censés contribuer à leur propre production. Vous avez ici les photos d'une entreprise de petite taille qui nous a associé à la construction de son système de pilotage de la production intégré directement dans l'atelier qui passe par un écran tactile. Et pour construire l'architecture de ce système de gestion de la production, ils ont décidé de mettre à contribution les salariés. Ce sont les opérateurs qui ont conçu l'architecture, qui l'ont testé, qui ont dit ce qui leur convenait, ce qui ne leur convenait pas, et je vais être en fin de batterie, excusez-moi, et qui du coup ont pu ensuite l'expérimenter, se familiariser avec, ce qui a évité d'avoir des coûts de reconception conséquents, parce que c'est toujours plus cher de reconcevoir ces systèmes d'information que de bien les concevoir du premier coup. Et puis, cet exemple, il vous démontre que dans une très petite entreprise, on peut s'intéresser à la maîtrise d'usage. Ça n'est pas qu'une question de grandes entreprises qui disposent de services dédiés. Autre façon de bien maîtriser la charge informationnelle, vous l'avez vu au travers de ce que je vous ai présenté sur le télétravail, c'est d'en faire un objet de dialogue professionnel et social et de conduite du changement comme les autres. L'outil ne doit pas être quelque chose qui arrive après, ni ne doit guider en fait les changements. Et pour bien les implanter, le mieux c'est encore de s'en parler et d'évoquer quels sont les besoins, quel objectif l'outil doit-il poursuivre. Et l'objectif de l'outil, c'est d'être contributeur de la production que nous avons tous, parce que le temps où les robots remplaceront intégralement l'être humain, compte tenu de sa capacité à gérer de multiples informations de manière sensible et fine, n'est pas encore venu.
Donc, prendre en compte le facteur humain dans la conduite du changement qui intègre des systèmes d'information est importante. Je prends comme exemple l'exemple d'une entreprise qui voulait installer une extension à une application qu'elle utilisait déjà. Les salariés étaient déjà formés à la partie existante, donc pourquoi se préoccuper finalement de négocier autour de ce sujet-là? Bah, tout simplement parce que le module d'extension, c'est de l'intelligence artificielle, que ça pose la question du sens du travail, de l'articulation que je vais pouvoir avoir, moi, salarié, avec ce module d'intelligence artificielle, des réductions d'effectifs, et que donc, faute d'avoir introduit un dialogue professionnel et un dialogue social dans l'entreprise, des tensions sont apparues et des mouvements sociaux sont apparus parce que l'outil a été introduit sans associer finalement les utilisateurs. Donc c'est un objet de dialogue social comme les autres et il est à prendre en considération comme tel. De notre côté, que pouvons-nous faire pour vous aider dans cette dynamique? Alors, on n'a absolument aucune vocation commerciale, mais juste l'envie, en fait, que cette charge informationnelle, elle devienne raisonnée dans les entreprises et que vous viviez bien votre travail avec le volet digital qu'il comporte. On peut vous aider à faire une première photo, un état des lieux, à partir d'échanges qu'on aura avec les différents salariés de votre entreprise et vous proposer une représentation visuelle de comment les choses se passent en termes de gestion raisonnée de l'information chez vous. On peut vous accompagner dans l'amélioration d'une situation que vous connaissez déjà et dont vous connaissez la dégradation ou expérimenter des choses et on le fait souvent sur les approches autour du télétravail. Si vous avez un projet de transformation, on peut vous accompagner pour que ce volet-là soit pris en charge au même titre que tous les autres qui permettront aux équipes de passer de bonnes journées de travail. Et puis après, on a des méthodes d'intervention classiques qui sont d'inclure la qualité de vie au travail dans les évolutions par le biais de formation à des outils dont on dispose, outils qui sont souvent mis à disposition gratuitement d'ailleurs sur notre site internet. Et enfin, on peut animer bien sûr des sensibilisations avec des séquences ludopédagogiques pour faciliter la prise de conscience, la décentration par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre. Donc nous, on est en capacité de vous accompagner sur ce sujet-là. Mais pour autant, vous avez bien sûr bien d'autres opérateurs qui peuvent vous aider à réfléchir sur cette question. Je vous propose qu'on clôture. Alors, demande d'outils logiciels qui permettent de réduire la non-déconnexion et d'améliorer la qualité. Je ne saurais pas répondre à cette question des outils logiciels qui permettent de réduire la non-déconnexion et améliorer la qualité. J'ai plutôt envie de vous dire. Il n'y a point de bons outils à un mauvais ouvrier et que c'est juste une question de réflexion collective sur les pratiques professionnelles et sur l'organisation plus qu'une simple question de progiciel en fait. Le progiciel, et c'est exactement ce que je vous disais, ne fait que guider l'action de l'individu. Donc c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut réfléchir à la question du droit à la déconnexion et de la QVT. J'ai l'impression qu'on toque à nouveau et que c'est le dernier acte. Alors, je cède la place aux acteurs. Jean, je te vois là. C'est un peu gênant. Jean ? Bon. Jean, tu me vois là? Ah là là, bon ben. Non, si j'ai... Là, j'ai appuyé sur un bouton là, tu devrais m'entendre là. Je te vois plus là par contre. Ok, ben moi je te vois pas, mais je t'entends. Et là, tu me vois? Toujours pas. Tu me vois pas? Tu me vois là? Ben non. Bon, bah sinon, c'est pas grave, on fait ça dans le noir. Hein. C'est peut-être ça. Ok, donc, qu'est-ce qu'on on était... Alors, attends, oui, j'étais en train de relire le compte rendu de la réunion, quand c'était le webinaire. Ouais, bien. Ça s'est bien passé, hein. Ouais, je suis bien. Contente. Ouais, c'était plutôt pas mal. Ce que je t'ai proposé, finalement, la live stream, hein, c'était un bon support là, ouais. Pour pouvoir...
échanger avec tout le monde et tout là. La partie sondage là a beaucoup. Je crois que c'était, ça marchait bien. C'était intéressant, c'est assez rapide, c'était vraiment pas mal. Est-ce que tu as fini le diapo là qu'on va envoyer aux collègues? Oui, je l'ai terminé. Je peux, oui, parce que tout le monde nous demandait à ce qu'on l'envoie. Donc là, je te le partage, je te fais un partage d'écran du coup. Ouais. Là, vu qu'on est tous les deux, je pense que ça devrait bien marcher. Hop, ça y est, non? J'ai rien. T'as rien encore? Non. Mais tu me vois? Non. Oui, je te vois toi, mais je ne vois pas le doc là. Le doc, ok. Attends. Là, du coup, là, je te mets sur le drive, du coup. Le drive, excuse-moi. Je vérifie juste, j'attends un coup de fil de Michel. Oui, non, par contre, si tu as des questions à me poser, il y a un petit onglet questions. Donc là, je t'ai complètement perdu. Je t'ai perdu. Non, là, je t'ai perdu. Tu n'es même plus connecté du tout. Je te vois pas du tout. C'est ce que tu. Ouais, alors attends, Manon, attends, il y a Manon, il y a ma fille juste. Attends, ne quitte pas, j'arrive tout de suite, hein, ne quitte pas. Hop là, alors, donc je pense alors, que le plus simple, ce serait que tu te. Non, ce que je te disais, c'est que je pense que pour le PowerPoint, si tu le mettais sur l'intranet, au moins tout le monde y aurait accès, tu vois. Ok. Parce que du coup, il faudrait que tu montres comment on fait parce que j'y arrive pas vraiment. Non, mais écoute, il y a un tutoriel là que j'avais mis aide. Dans le dossier aide. Oui. Ok, très voilà, bien. Voilà, donc tu suis le tutoriel, ça va être super, super facile. Bon, écoute, c'est parfait, merci. Ok, écoute, de rien. Mais, on se refait une petite réunion. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Tu m'envoies un Doodle Drive et puis je rajoute ça à l'agenda partagé. Allez, on fait ça. Ok, allez, super. À demain. À demain, merci. Eh bien, voilà. Sacrez-vous. Elle n'était pas bien loin, Isadora, j'ai l'impression. Non, je ne crois pas non plus. Elle s'est downloadée dans la bande passante pour nous rejoindre. Ça nous donne des idées hein, pour communiquer dans nos familles. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette dernière séquence. J'ai eu l'impression que c'était un sujet que j'allais traiter dans pas longtemps. Pour conclure, peut-être ce qu'on peut retenir, c'est que bon, c'est vrai que notre vie, elle est digitale, y compris professionnellement, hein, pour reprendre Soprano, mais que j'espère que vous avez retenu que nos expériences du fonctionnement de notre cerveau et les connaissances qu'on en a aujourd'hui et puis des collectifs de travail font que cette digitalisation, elle peut avoir des conséquences si on oublie finalement la machine qui l'a conçue, à savoir la machine humaine. Donc, il faut préserver finalement cette ressource qu'on a, qui est précieuse et qui est incomparable. Dans nos interventions, en fait, on a constaté qu'il était tout à fait possible de passer à une gestion raisonnée des informations pour peu qu'on en discute tous ensemble, qu'on partage finalement cet objectif-là commun, que même on peut trouver des ressources échanges qu'on peut avoir, et c'est ce qu'on a pu constater dans les accompagnements qu'on a pu faire pendant la première période de la crise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a développé des régulations à titre personnel dans notre environnement. On utilise les réseaux sociaux, les boîtes mails, etc. à titre perso, mais on y met des limites, si on n'est pas devenu addict. Hein, mais peut-être que ça peut nous inspirer pour transposer ces limites qu'on se pose aujourd'hui dans notre environnement personnel, dans la vie professionnelle. Parce que c'est une responsabilité collective. Si je n'envoie pas de mail à 22h, personne n'aura l'impression qu'il faut en envoyer à 22h. Si ce cadre-là est partagé, tout va bien. Encore une fois, le mail n'est pas le seul outil. Il y a beaucoup d'autres systèmes d'information qui contribuent à notre charge informationnelle. L'idée, c'est de développer finalement notre capacité
et de résilience, mais aussi de résistance à cette charge informationnelle à partir de collaborations qu'on peut avoir de manière plus horizontale. Il y a une petite question qui a été posée tout à l'heure sur des exemples de retours d'expérience réussie, me semble, je relis un petit peu mieux. Des conseils pour accuser réception de la crise. Alors, effectivement, nous, on a proposé des temps d'échange, finalement, avec les équipes qui sont structurées avec des outils où on fait des diagnostics partagés pour faciliter la prise de parole, pour réguler aussi l'expression des ressentis qui peuvent être autant positifs que négatifs. Pour dégager des priorités qui permettent de ne pas rester sur le constat de c'était dur ou c'était super. Il y a les deux, en fait. Il y a à la fois, par exemple, des équipes soignantes qui disent oh, l'élan de solidarité, c'était génial, on s'est tous coordonnés, on a tous fait des efforts, comment on va faire demain? Et puis d'autres qui disent quelle galère, on n'a pas réussi à s'articuler les uns les autres, on produit qu'à moitié, comment est-ce qu'on va faire pour rebondir derrière ça? Donc voilà, nous on a développé des accompagnements sur ce registre-là. On en a un d'ailleurs qui est financé par le FSE si vous êtes dans une entreprise de moins de 250 salariés ou une association de droit privé avec un webinaire qui a lieu dans quelques minutes, qui s'appelle Objectif Reprise, et donc avec des accompagnants qui sont financés pour vous aider justement à tirer des enseignements de cette crise et à vous projeter sur une reprise satisfaisante, y compris au plan des conditions de travail, de l'engagement de vos salariés. Je regarde les autres questions. L'opportunité de lancer une démarche QVT dans ce contexte, je ne l'appellerai pas forcément démarche QVT, je l'appellerai plutôt comment faire en sorte que demain, collectivement, on passe des journées satisfaisantes après avoir vécu ce qu'on a vécu. Certainement qu'on s'appuiera sur les mêmes leviers que la QVT, mais ce serait peut-être un petit peu cynique de dire qu'on va se préoccuper de qualité de vie au travail, au sens où elle est entendue, bien sûr, dans les textes, hein, et notamment dans l'accord cadre de 2014, c'est-à-dire quelque chose qui est en capacité de développer et de développer l'individu. Je regarde le reste des questions. Les pollutions de démarche, parce qu'on a pu vécu tous différemment. Oui, ben voilà, du coup, je pense que j'ai répondu à ce volet-là sur effectivement une démarche QVT. Je pense qu'il faut vraiment la contextualiser. D'ailleurs, on propose des ateliers en ce sens-là dans le secteur de la santé, la contextualiser à la crise. Il est 16h07, je prie de m'excuser pour ce léger décalage. Je souhaite à nouveau remercier vivement Hervé, Fabien et Isadora pour leur contribution joyeuse qui nous ont permis. Merci pour la confiance parce que nous, c'était un pari aussi. On a plutôt l'habitude de jouer sur scène ou sur des conférences, d'intervenir en live avec, comme la plupart du temps pour tout le monde. Mais et du coup, l'impro en ligne nous faisait un peu peur. Et la vidéo, c'est pas non plus notre métier, donc c'était une proposition de se dire comment nous aussi on peut s'adapter en un temps contraint de crise pour pouvoir échanger. Mais voilà, on a relevé le défi avec vous, on est content, on essuie les écueils et puis il y aura peut-être des prochaines fois plus où on s'ajustera. Voilà. Mais c'était en tout cas merci de votre confiance en tout cas. Mm. Je pense qu'on a le pressiomètre qui redescend petit à petit parce qu'on a réussi à le faire. Voilà. C'était pas forcément gagné. Je vous remercie à vous, participants, qui avez contribué à ce temps d'échange. J'espère que vous êtes désormais des ambassadeurs de la gestion raisonnée de l'information. On est à votre disposition si vous avez besoin d'outils, d'accompagnement. Sur le diaporama, je ne vais pas le remettre, vous trouverez toutes les références qu'on a pu utiliser dans cette présentation, les accès sur nos sites internet aux outils que vous pouvez télécharger gratuitement, et puis aussi d'autres webconférences pouvoir vous alimenter sur cette semaine de la qualité de vie au travail tournée premiers enseignements de la crise. Et puis merci à tous ceux qui dans notre vie en général nous font rire et nous font sourire de nos travers pour mieux nous aider à les vivre et voire à les gérer d'une manière raisonnable et raisonnée. Merci. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée.